Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, bienvenue également à mes nouveaux et nouvelles abonnés. Alors aujourd'hui, comme prévu et comme promis, c'est une ouverture de colis qui me vient de Sandrine de la chaîne Sandodel. Donc vous retrouverez le lien de sa chaîne dans le barre d'infos. Alors je vais essayer un peu de vous monter. Voilà, et de faire vite aussi parce que je vois que ma batterie est déjà vide. Donc j'ai juste ouvert le colis, mais on va découvrir ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Le colis fait 1,5 kg, donc j'ai vraiment hâte de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, merci beaucoup Sandrine pour cet envoi qui me fait vraiment très plaisir. Alors, et comment dire, eh ben, il est bien chargé ce... Merci beaucoup. Alors déjà, on a des petits chocolats, donc je suis une grande gourmande, merci beaucoup. Alors je vais ouvrir un peu pour ce qui arrive comme ça. Oh mais dis donc, mais Sandrine, je m'attendais pas à tout ça. Bon, et eh ben, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais me venger. Un jour. Petit escargot. Donc, on a une jolie enveloppe travaillée. Franchement, elle est trop jolie. Trop jolie. Oh, avec un joli S de Sandrine. Fait avec de la cire. Super beau. Il est joli, ton cachet. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir sans trop déchirer? Oui. Et regardez avec moi les ouvertures de colis. Donc c'est pas impossible que vous l'entendiez un peu en son, en fond. Non, bah, je crois que je vais être obligée de découper un peu l'enveloppe. Essayer de le faire proprement. Alors voilà, j'ai ouvert hors caméra hein, pour faire gagner un peu de temps. Oh, oh elle est magnifique. Alors, elle est vraiment belle. Hein. Super jolie carte. Je vais regarder le petit mot. Merci beaucoup hein, Sandrine. Alors je vais essayer de le mettre sur le côté. Alors, par où je commence? Alors, moi j'aime bien commencer par les créas. Superbe. Super joli, c'est une pochette, alors je pense qu'il doit y avoir un marque-page. Les jolies choses se font avec beaucoup d'amour et de patience. Bienvenue Little Love. Alors je vais regarder ce que je vois qu'il y a mon prénom derrière, donc peut-être qu'il doit y avoir un... Oh, qu'est-ce que c'est joli. Alors je lirai le mot après, je vais vous montrer ça. Donc avec... des tampons aquarellés. Je crois que ce petit tour c'est de Shoe and Flower si je ne me trompe pas. Superbe. Voilà, il est trop beau ton marque-page. Trop beau. Superbe, merci beaucoup. Hein. Alors, je lis hors caméra. Alors, il s'agit de la carte de naissance pour mon fils, donc accompagnée de sa petite pochette. Franchement, c'est trop joli. J'adore. Merci beaucoup Sandrine. Alors, on va attaquer par ça. J'adore ces surprises où il y a des petits mots comme ça de devinettes. Soyons écolo, vive la récup. Déjà, moi, ça me plaît bien ça. Et après, on a un petit tag étiquette. Oui, je suis bien dans le champ. C'est trop joli. T'as vu comme c'est joli mon chaton? Oui. Magnifique, magnifique. Alors, je vais l'ouvrir hors caméra. Alors que je vous montre quand même, au niveau de l'emballage, ça tient vachement bien. J'ai enlevé, il y avait d'autres petits rubans dessus. Et je vais faire, je vais vous faire patienter avec moi le suspense. Alors. Est-ce que j'ai besoin d'enlever tout le ruban pour découvrir? Ouais, je pense que...
Alors désolée, j'ai changé d'appareil, j'avais plus de batterie sur l'autre, donc du coup je sais plus où j'en étais, je sais pas si vous aviez vu ce qu'il y avait à l'intérieur. C'est un morceau de comment on appelle ça, de un genre de faux cuir en fait, pour faire les reliures de mini-albums, ou même pourquoi pas carrément une couverture entière. Elle m'a mis un super grand morceau. Merci beaucoup, hein, franchement, blanc en plus, c'est parfait, ça va avec tout. Donc, et puis j'adore ton emballage, quoi. C'est c'est génial, quoi. J'adore la déco et tout, la façon dont c'est fermé. On dirait que c'est un tableau qu'on transporte à l'intérieur. Alors ensuite, on va découvrir quoi ? Parce qu'il n'y a pas de saison pour un petit plaisir. Alors ça, on dirait plutôt que c'est une boîte de chocolat. On va l'ouvrir ensemble. Waouh, super. Eh ben, tu sais quoi, Sandrine, les lignes d'or, c'est mes préférées. Alors, je mange quasiment tous les chocolats, mais mes préférées, ce sont les noirs. Donc, en général, je mange les noirs en premier. Mais merci beaucoup, hein, franchement. Alors, ça va pas aider au régime, mais c'est pas grave. On va ouvrir. Alors, il reste un petit chocolat qui se barre. Alors ça doit casser parce que c'est bien emballé. Alors on a le voilà enfin le cadeau pour ton petit Ethan. Bon, et ben super, merci beaucoup. On a avec une jolie petite étiquette. J'espère que vous verrez bien parce que quand je change d'appareil, le zoom se fait pas de la même façon sur les deux. Super beau. J'adore tes étiquettes comme ça, travailler, enfin tes étiquettes tag. Alors, on va l'ouvrir. Ou pas. Waouh! Alors, on a un superbe bol avec son prénom dessus. Ah, c'est super! Ah, j'adore! Merci beaucoup! Hop! Ensuite, on découvre la suite. Un petit terre breton. Alors. Un savon infusé à l'indigo. Ah tiens, bord de mer, fabriqué à partir de 98% d'huile végétale éco-responsable, parfum à base d'huile essentielle de grâce, 98,5% d'origine naturelle, le reste est utile à la stabilité et à la sécurité de nos savons. Super. Ça sent super bon en plus. Donc c'est fabriqué dans le département 13. Ça sent vraiment bon. Merci beaucoup. Ensuite, ça fait du bruit. Pour compléter tous les beaux albums que tu feras. Alors ça, je pense que c'est un bijou d'album. Eh ben non, c'était pas un bijou d'album, ce sont des petites breloques en métal. Alors, on va découvrir. Hop,
Oh, c'est trop chou! C'est trop trop chou. J'espère que. Non, vous voyez rien du tout. Bon, j'essaierai de voir si je peux faire un petit zoom après au montage vidéo. Mais on a biberon, on a les petites tasses, on a un petit landau, des tétines. On a un joli petit ensemble sur un cintre et on a un petit bébé avec son biberon et des petits pieds. C'est super mignon. Ils sont beaux comme tous ces breloques. Ben, je saurais quoi en faire. Hein. Alors. Oups. Hop. Et le dernier. T'as pris un tuto d'Indiana papier. Toujours avec une super étiquette. Alors, ça doit être une petite création, je pense. Hop. Donc, j'irai voir. Je ne sais pas s'il y a une chaîne YouTube pour Indiana Papier, mais ça ne me dit rien, donc je ne connais pas. Waouh! Passion couleur. C'est super beau. C'est superbe. Avec un petit ouverture en scratch. Oh, mais c'est des tamponnages. Oh, mais c'est génial. Oh, c'est trop, trop bien. Ah oui, d'accord, c'est des tamponnages que tu as pré-encollés comme pour les... Ah, c'est super. C'est une super idée. Ça, au moins, comme ça se barre pas. Avec des super tamponnages de Chou & Flower. J'adore cette marque. Oh, celle-là, j'avais hésité à la prendre de collection. Enfin, de planche. Waouh. Ça tombe bien, hein. C'est des tampons que j'ai pas, hein, ça. Hop. Bon, je vais peut-être pas tout vous montrer. Mais voilà, super, super idée. Merci beaucoup. Et puis après, à réutiliser pour mettre des choses. Donc là, on a la même chose avec... En format un peu plus petit. Et c'est décoré derrière. C'est super. Ah, c'est vraiment beau. Je ne connaissais pas cette façon de faire pour des tamponnages. J'espère que ça rendra justice parce que là, ça brille, on dirait, à l'écran. Mais on a un effet un peu glossy sur les motifs. C'est super beau. C'est superbe. Bah, en tout cas, merci beaucoup, hein, Sandrine. Tu m'as vraiment pourri gâtée. Ça nous a vraiment gâtés tous les deux. Je vous embrasse, je vais aller m'occuper de mon petit loup et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Salut !